là voilà, là on y vient. Là je vais vous passer un petit morceau de R&B. Moi j'ai beaucoup écouté de R&B dans les années 90, et énormément. D'ailleurs j'ai énormément d'albums de R&B US, bien évidemment, que du R&B américain, jusqu'à nos jours. Et justement là pour ce style de musique, les Infinity, elles s'y prêtent vraiment bien au jeu parce que faut qu'il y ait le grave qui se prête à ce type de musique. Donc je vais vous faire écouter. Et là, pour moi, les maniates, elles sont pas dans le game, comme on dit. Voilà, elles sont pas faites pour. Enfin, pour là-dessus, je trouve ça va pas du tout. Je vous fais écouter. C'est vraiment pour dire que donc les Magnat, c'est vraiment des enceintes plus qui tendent vers l'acoustique. Et les Infinity, sur les sons modernes, je trouve qu'elles sont bien, quoi. Elles sonnent bien. Enfin, quand je dis son moderne, je me comprends, ça va être rap US, électro. Voilà, ça va pas être des enceintes audiophiles, à proprement parler, voilà. Mais vous voyez, comme quoi, il en faut vraiment pour tout le monde, hein, parce que quelqu'un qui va écouter je sais pas, du rap US, du hip-hop, de la pop, tout ça, et quelqu'un qui va écouter que de l'acoustique, faut vraiment des enceintes quand même spécifiques. Même si dans le lot il peut y avoir de la polyvalence, c'est sûr, mais après quand on est exigeant et qu'on a écouté beaucoup de choses, je trouve que c'est important de bien faire la part des choses entre les enceintes. Donc voilà.